Allez, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne RC Modèle Coquillette. Salut, salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, explique. Alors en fait, on a décidé de lancer une série sur Forza au sein Tuning. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir par exemple à chaque épisode, par exemple vous, dans les commentaires, vous proposez une voiture et le but ça va être de, comment dire, différencier les performances choisies par les joueurs. On va faire un kit déco. Avec, je sais pas, une amélioration moteur, ou peut-être qu'ils vont faire, qu'ils vont prendre, ils vont pas faire de déco, donc ils vont plus à dépenser dans le moteur ou quoi que ce soit. On se rend sur le jeu Forza Horizon 5. Donc je vous invite à faire le challenge aussi et à nous l'envoyer sur le Discord, sur notre Discord, qu'on mettra bien sûr en description. Allez, donc on va démarrer. Hugo, quel est le thème de cette semaine? Donc on va faire un épisode Le Saint-Tuning toutes les semaines avec différents thèmes de voitures. Donc quel est le thème de cette semaine, Hugo? On va commencer par les plus grandes marques de fabrication. On va commencer par le Japon. Alors donc pour ça, Plus on se rend dans le salon directement. auto, trier, et là on va se prendre la sélection pays. On va se rendre sur Japon. Mais d'abord, faudra aller dans filtre et mettre compact. Il n'y en a qu'une. Donc le but, faire la meilleure compacte avec la Civic Type R De 2007. de Ok, bon 2007, bah. exact. Allez, donc je fais cette petite partie en voix off car on n'entend pas bien Hugo. On a le droit à 75 000 crédits, mais si on met un sticker préfabriqué, on doit enlever moins 5 000 crédits au total pour les modifications. Bon, voici la voiture à Hugo. Ok. Vas-y, explique-nous un peu ce que t'as mis vite fait. Le moteur il est fou. J'ai mis deux gros cœurs bien énormes, violet et bleu comme ça sur les côtés. Et j'ai mis un petit sticker sur Bossmar, là sur l'avant avec le capot sur le capot en fibre de carbone. Le titre, enfin le titre, je sais plus ce que c'était. Elle a l'air pas trop mal en tout cas la voiture. En tout cas, je pense à une Seat Ibiza. Votez quelle est votre voiture préférée dans les commentaires surtout et n'hésitez pas aussi à jouer de votre côté et à nous envoyer une petite photo sur Discord, le Discord de la chaîne. On va quand même aller se faire un petit tour. Voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est une traction, roue avant, donc ça tourne pas beaucoup. Ouais, pareil. Du coup, c'est pour ça que je vais aujourd'hui, j'ai évité de jouer au volant. Ouais, c'est clair. Hugo joue au volant, donc là par contre, il a pris manette. Hein. Une borne à volant, ok. Au calme, ouais. Allez, on va se faire un petit départ arrêté. 3, 2, 1. Ok, je prends les devants. Ah ouais. Oh, je t'explose. Oh là, finalement, il a pris les devants. Le conduire à droite, ça fait bizarre. Hein. On va se mettre une petite vue capot. Voilà.
et on va revenir en vue normale. J'ai l'impression que Hugo a quand même plus de vitesse. Il nous a explosé les bordures sur le côté là. Alors on va descendre jusqu'au stade. Allez, on arrive au stade. On va aller se garer sur le parking. Oh là, il est passé comme une flèche derrière lui. Et d'accord, ça gruche comme ça. Nous on est des bons citoyens. On va aller sur le parking tranquille au pilot. Et du coup ça drifte pas, hein, clairement, comme c'est une traction. Merci. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, de cette première partie de la série. J'espère qu'elle vous plaira et que vous allez accrocher et jouer le jeu dans les commentaires. Allez-y, votez quelle est la meilleure voiture et faites votre propre voiture et ensuite envoyez-la sur Discord. Hugo, je te laisse le mot de la fin. Bon, abonnez-vous, likez et bye. Ça, c'est bon, ça, Hugo. Allez, salut tout le monde.